monde regarde Marseille, est-ce que ça nous va? Non, on dit non et non. À nous de prendre les choses en main. À nous de hausser les voix, à dire aux autorités que non, non avec cette mauvaise politique. Donc, Iman, en tant que président de cette association, je présente toutes mes condoléances. Je voulais passer un message aux responsables, que ce soit les bailleurs, les syndics, la ville, ils arrêtent de prendre les gens comme des cons. Parce que l'immeuble, c'était le 18 octobre, il y avait un problème dans l'immeuble. Ils ont évacué tout le monde. Ils sont restés pendant 4 heures. Ils ont pris toutes les clés des résidents. Ils ont dit aux locataires, tant qu'on ne prendra pas les clés, vous n'avez pas accès à vos appartements. Et le soir, vers 19h30, 20h, ils ont fini l'expertise et ils ont dit aux locataires que vous pouvez regagner vos logements, il n'y a aucun risque. Alors, il y en a marre d'avoir des maires corrompus, avec des préfets corrompus, qui ferment les yeux dans la merde. Les habitants de Noailles, c'est des habitants inconsidérés. Ça, c'est la population qui compte pas de Marseille. Mais c'est ça, Marseille. Le cœur de Marseille, c'est Noailles, Cour Julien, la plaine. Et pourtant, c'est les populations les plus inconsidérées de cette ville. D'accord ? Paix à leur âme. Ne pleurez pas. On est dans notre colère. On pleure à toute notre vie. Montez la colère. Il savait très bien que c'est le soyez en colère. Ça suffit. On a un homicide involontaire. Il y a quand même un rapport qui a été remis, juste un petit point juridique, en 2015 par Christian Nicole sur il faisait un état des lieux catastrophique en 2015 sur Marseille avec 13% des habitations qui sont insalubres, je crois 40 400 logements, quelque chose comme ça, et 100 000 habitants, ce qui est énorme, je veux dire, même au niveau européen. Donc maintenant, il faut vraiment que les choses bougent parce que sur le plan judiciaire, là, il y a certainement des responsabilités pénales qui vont se dégager. Ils laissent pourrir, au contraire, ils sont contents de laisser pourrir, comme a dit la dame. Plus ça pourrit, moins c'est cher, plus les promoteurs immobiliers s'en mettent plein les poches. Et ça, c'est une situation dégueulasse. Ils mettent la vie des gens en péril. Godin, c'est un des premiers responsables. Moi, je vais attaquer Godin en justice. Faut qu'il paye, faut qu'il y ait justice. La mairie de Marseille, Monsieur Godin et son adjoint, Monsieur Chenot, président de la Soleam, société mixte, organe de la mairie en charge depuis 2011
du numéro 63 rue d'Aubagne, sous arrêté de péril et mise en sécurité, arrêté pris sous la direction de la société Marseille Habitat. Les responsabilités sont là, la plainte doit être collective, déposée en droit. Il y a du droit, et c'est le droit, il doit s'appliquer. C'est uniquement là-dessus que le DAN se bat et se battra sur la paupérisation, gentrification, et tous doivent être logés dans ce quartier, dans un logement digne. J'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Je paye le loyer pour les cafards et les rats, j'achète les courses pour les rats et du demain, elles mangent tout et mes enfants, elles craignent à manger chez moi. Je te jure. Et oui. Et tout ça, c'est pas nouveau. Alors, moi, je suis très élue de parler parce qu'il y a encore des personnes qui sont quand même sous les décombres. Il y a des personnes qui ont été déclarées. La demoiselle l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas déclarées, qui sont des squatteurs sans papier. On est quand même dans un quartier, il y a beaucoup sans papier, il ne faudrait pas les oublier, il ne faudrait pas que leur mort passe sous silence. Exactement, et qu'ils ont des familles, qu'ils ont besoin de régler leur forme, etc. On sait tous qui se partagent le gâteau. On sait, oh, regardez qui y a à la municipalité, regardez qui y a à la région, regardez qui y a dans toutes ces institutions. Qui sont dans les espaces décisionnaires? Qui sont dans ces espaces-là? À quel moment on nous fera une place dans ces espaces décisionnaires, pour que notre parole légitime soit enfin entendue? Comment est-ce qu'on va s'organiser? On a les moyens de le faire, on est tous ici très intelligents. Il y a une grande intelligence collective dans nos quartiers, il y a cet élan de solidarité qui s'est très très vite mis en place, comme à chaque fois. Et après, on va nous faire croire que dans nos quartiers, on va nous apprendre le vivre ensemble, mais pour qui ils nous prennent? Vivre ensemble, c'est nous qui leur enseignons la manière dont on vit ensemble, les stratégies qu'on met en œuvre dans ces énormes. Ouais, on va finalement nous essayer de voir ce qu'on a dans le sang pour savoir si on est assez humain pour être digne de vivre. Jusqu'à quand on va défendre nos conditions d'existence? Jusqu'à quand? Nos parents, ça fait des décennies qu'ils le font. Nous, on le fait à nouveau, nos enfants vont le faire à nouveau. C'est terminé. Il faut leur dire que c'est nous qui allons prendre aujourd'hui les décisions. C'est terminé pour prendre les décisions à notre place. On a tous les moyens de le faire. Il faut arrêter de se rentrer dedans en disant qui c'est qui est derrière ci, qui c'est qui est derrière ça. On s'en fout de ça. On a tous un idéal, c'est celui de l'humain. Et comment on fait place à cet humain dans cette société? Point final. Si c'est pour ça que vous êtes là, on va mettre les stratégies en place. On va mettre un contenu et on va se lever les manches tous collectivement et on a les moyens. Arrêtez avec les fatalités, on a les moyens. La mort est devant nous, élevons-nous contre cette déshumanisation. Ça suffit. Voilà.